Salut tout le monde, c'est Court, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Kingdom Hearts Re-Chain of Memories. Enfin, comme vous voulez, en tout cas, j'espère que cette vidéo. Je suis un peu bugué là, j'ai fait de la merde. J'espère que vous allez bien, j'ai un peu confondu intro et outro. J'espère que vous allez bien, à la fin, on s'était arrêté, on avait fini la ville d'Halloween, on avait battu Larsen, je sais plus son nom. Bon, elle nous avait un peu saoulé, mais on avait réussi tant bien que mal. Et donc on s'était arrêté un peu en suspens. Oui, j'aime bien dire suspens au lieu de suspense. Du coup, aujourd'hui, on va s'attaquer à la forêt des rêves bleus. Et donc je vais essayer de finir le monde aujourd'hui. Donc vous serez plein d'ellipses de combat et tout. Mais je vais essayer de finir le monde pour ou alors de m'arrêter juste devant la porte de sortie, je ne sais pas encore. Parce que j'ai envie d'essayer comme ça. Et là, je sais pas si vous avez entendu, mais le montage... Enfin, j'ai enchaîné avec l'autre épisode pour ceux qui le voient. Le montage de Legend of Kier, enfin le rendu est terminé. Donc si vous vous demandez c'est quoi le bruit, maintenant vous savez. Alors comment va se passer ce monde? Parce que c'était un peu un monde de merde où il n'y a pas de combat. Donc comment ça va se passer? Voyons voir. Ça ne va pas, petit ourson? Je cherche mes jamis. Mes jamis. Ils sont par ici? Ils ne sont pas ici? Il n'y a personne pourtant. Alors, peut-être que je cherche personne. Tu cherches personne? C'est sûrement ça, mais personne n'est nulle part. Et à force de chercher, ça m'a donné faim. Je me demande s'il y a du miel quelque part. Oh, mais si je me mets à manger, je vais devoir arrêter de chercher. Nous pouvons chercher tes amis ensemble. Personne, tu veux dire? Non, tes amis. Ils sont peut-être dans les parages. Cherchons-les ensemble. Tu cherches aussi mes amis? Non, mais je cherche les miens. Est-ce que ce sont des amis de mes amis? Je ne sais pas. C'est le bordel là. Je suis paumé moi. Dans ce que j'ai dit. Mais je sais ce qu'on ressent quand nos amis sont loin. Si on les cherchait. Si on les cherchait ensemble. D'accord, Sora. Alors Sora ne se souvient pas de Winnie, mais Winnie se souvient de Sora. Je crois que c'est encore une zone sans combat. Même dans Chain of Memories, mais putain, mais c'est vraiment un monde de merde. Hein? Ah, Percinet. Ok. Faut que je fasse quoi là? Je comprends pas tout. Ah là 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 là! Mais non! Je comprends pas tout ce qu'il faut faire. Ah voilà. Je pensais qu'il fallait taper pour le faire sortir, mais ça marche pas. Oh! Oh non! Ne faites pas attention à moi! Tu n'es pas la mine Winnie? Eh bien je. Non, je ne suis pas un Milwini, je suis Bonjour Porcinet. Oh, c'est toi Winnie. Enfin, quelqu'un que je connais, me voilà rassuré. Je me suis retrouvé tout seul, j'étais très inquiet, je ne savais pas quoi faire. Ça explique pourquoi tu avais l'air si anxieux. Porcinet, viens donc avec nous chercher nos amis. Comment? Oh, je ne sais pas. Oh, que faire? Je crois qu'il ne veut pas venir. Attendez! As-tu changé d'avis, Porcinet? Non, il faut que je réfléchisse encore. Mais j'ai trouvé quelque chose de bizarre dans les buissons. Peut-être que ça pourrait vous aider à trouver les autres. Une carte sera pris folie. What? Déboussoler temporairement les ennemis pour qu'ils attaquent moins souvent. Génie, clochette, carte d'invocation. Mais pas un truc comme ça avant? Un truc dans le même genre? Mais attends, mais tout ce monde va être comme ça? Ah, je vais péter un câble, moi. Oh, oh, oh. Brasier, bof. Hop. Je casse un peu tout, j'essaye de voir un peu ce qu'il y a. Ok. Il n'y a pas de combat, hein. C'est quoi cette merde, là? Attends, on va aller derrière pour voir.
S'il n'y a pas quelque chose. Hé! Hey! Mais non, on peut pas monter là-dessus! Mais je le faisais tout le temps avant! Bon, on va aller par là pour voir. Oh putain, ça va me faire tellement. C'est un monde de merde celui-là, je le sens. Je le sens, il va me saouler. Ouais! On va tout casser! Je peux pas. Je peux toujours pas. Ah, ça par contre, je peux. Et je vais pas me gêner. 5. Ouais, bof. Bof, bof, bof. Hop. On va casser tous les pots. Plein de trucs là. Je peux pas rentrer. On va casser tout. Hop, donne-moi ça. Donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. À mon avis, il est derrière. C'est Coco Lapa, à mon avis. Il y a des pots là. Ah, j'ai pas pu casser les pots. Attention! Mais what the fuck? J'ai chaud, ça va Winnie? Oui, je crois. D'où est sortie cette citrouille? T'as manqué? Pardon. Youhou! Coco Lapin? Oh, comme vous tombez bien. Jeune homme, pourrais-tu m'aider à trier mes légumes? Cette citrouille était donc à toi? Voulez-vous aider Coco Lapin? Est-ce que je suis obligé? Parce que si je suis pas obligé, c'est mort, je le fais pas. J'ai pas que ça à faire. Attendez, on va faire une autre fois. On va essayer de faire le tour. Ça se trouve, il y aura pas besoin de le faire. Et franchement, j'ai pas du tout envie de le faire. Ça non plus, d'ailleurs, j'ai pas envie de le faire. Je sais très bien ce qu'il va falloir faire, en fait. Je me demande à quoi servent ces ballons. À s'envoler pour prendre du miel. Pendant que les abeilles te sautent dessus, moi je tape dedans. Comme ça, elles vont pas te faire chier. Ouais, ça a l'air risqué, ouais. C'est très risqué même. Alors. Il a l'air de rien avoir d'autre. Là-bas, il y a un chemin. Hop. Bon, ça se trouve, il y a juste besoin de faire le tour comme ça, et après, le monde se finira comme ça. C'est... Voilà, ce serait parfait. Ouhouhou! J'imite bien, hein! Eh, ça te dirait de bondir avec moi? Non. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Bon, les zones se ressemblent un peu, mais avec des variantes, hein. Bon, peut-être que vous connaissez pas si vous avez vu mon let's play, parce que j'ai pas fait ces trucs-là. Parce que j'avais pas envie. Enfin, si, j'avais commencé dans le 1. J'avais commencé à le faire, j'avais fait un épisode, je suis arrivé à 1h et j'ai remarqué qu'il me manquait des pages et j'avais pas du tout envie d'aller les chercher. Du coup, je suis pas allé les chercher. Et du coup, bah, il n'y a pas eu l'épisode bonus de ça. Et puis dans le 2, j'ai pas eu envie de le faire, j'avais fait les deux trous, le premier ou le deuxième, et le deuxième, je crois, un truc comme ça. Et après, je l'avais arrêté et j'ai toujours plus envie, j'ai toujours pas envie de le faire. Du vent s'échappe de ce puits. Parce que je l'ai fait une fois et ça suffit largement, parce que c'est hyper chiant ce monde. Bon, normalement, si on va de ça, on va faire wouhou! 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 Oh la vache! C'est violent! Par contre, sans parachute, ça va être problématique! Quoi? Alors, si vous touchez un obstacle, et puis sortir pour reprendre Winnie, vous. Putain, j'ai lancé un mini-jeu de merde! Ok, je pense avoir compris. J'ai pas si compris que tant que ça en fait. Enfin, faut juste que je... Je comprends pas tout, mais c'est plus stylé que les trucs qu'on devait faire dans...
Bah dans le vrai en fait. Là c'est beaucoup plus stylé. Bon après c'est un peu chiant je vous avoue, mais c'est plus stylé quand même. Hop, hop. Tac 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 tac. Raté. Raté. Aïe. C'était pas prévu, c'était pas prévu, c'était pas prévu. Je t'ai eu. J'ai pas le dernier je crois, putain. Le gros machin. Bon, c'est réussi. On va dire que c'est bon. Oh, petit gourou. Je sais plus comment il s'appelle. Petit gourou, que faisais-tu dans le puits? J'étais tellement occupé à chercher Tigrou que le vent m'a emporté et je suis tombé dedans. Tu étais coincé? Non. J'attendais le Tigrou pour que le vent nous porte tous les deux. Si Tigrou se laisse porter par le vent ici, je serai là. Ça risque de surprendre Tigrou, pas vrai? Mais, et s'il ne tombait pas ici? Oui. Si Tigrou se laissait porter par le vent, peut-être qu'il bondira plus loin. Pour tout vous dire, je commençais à me sentir seul et en avoir assez de l'attendre. Pourquoi ne pas essayer de le retrouver plutôt? Ah oui, bonne idée. Oh, regardez ce que j'ai trouvé dans les buissons, tenez. Méga éther, wouh. Mais en fait, je crois qu'il va falloir faire tous les mini-jeux, les gens. Ça me fait tellement chier. Donc là-dedans, je peux plus y aller. Ok. Je crois que j'ai fait le tour, donc il va falloir que je me tape les mini-jeux maintenant. Là, je vois. Ah, attendez. Ah non, peut-être pas en fait. Allez, s'il te plaît. Faites que ça marche. J'ai encore perdu ma queue, évidemment. Tu sais où tu l'as perdu? 2 secondes, j'ai soif. Oh, miam! J'ai trouvé. Oh. Je savais que si j'écoutais mon ventre, je trouverais du miel. Et sûrement énerver les abeilles en leur prenant leur miel. Ma queue me manque terriblement. Ok, j'ai pas besoin d'aller la chercher, c'est parfait. Par contre, voulez-vous récupérer le miel? Ouais, moi aussi j'ai peur des abeilles. Enfin non, pas spécialement, mais... Je suis pas spécialement fan non plus, quoi. C'est quoi ici, là? Alors... j'ai pas souvenir d'une autre zone que celle-là. Ah bah si, forcément. Hop. Alors, voulez-vous? Oui, je veux y aller. Attends, c'est en rentrant dans le tronc que ça fait ça? What the fuck? On ne peut pas aller plus loin. Ah Winnie, ça t'a plu de chercher nos amis ensemble? Oui, Sora. Pour te remercier, je voudrais t'offrir ceci. J'ai beaucoup marché aujourd'hui. Je crois que je vais me reposer un peu. Si seulement j'avais un pot de miel pour me tenir compagnie. Je vais devoir y aller, putain. Où ça? Chercher mes amis. Ouais, casse-toi, ouais, ne reviens jamais, s'il te plaît. Bambi, ouh! Un petit Bambi. Je crois qu'on peut l'avoir dans le 1, mais je me souviens plus ce qu'il fait. De toute façon, j'invoquais jamais des trucs. Non. You're... Riku! What are you doing here? Not happy to see me? Let me know if I'm getting in the way. You know, of something that's more important. Huh? I didn't mean that. Spare the excuses. I bet that you had all but forgotten about me. Are you crazy? Come on! I came all this way looking for you! But you're not anymore, right? Now it's only... Naminé that you're looking for. You don't care about me, just like you never cared. At all. About her feelings. Naminé's? I knew it. Never even gave it a thought, did you? Just 'cause you wanna see Naminé. Sorry. Doesn't go both ways. Tell you the truth, Naminé doesn't even want to look at your face. Why not? You should ask your memories. Why Naminé disappeared from the islands. Remember that, and you'd know. Did I
Did I do something? Is it my fault? Riku. Go home, Sora. I'll care for Naminé. Anyone who goes near her goes through me! What's wrong with you? We're supposed to be friends! Please, Sora. Since when have you ever cared about me? Naminé's not the only one who's sick of looking at you. So am I! Riku, stop it! Ok, alors, deux secondes, faut que je vous parle. Je vais attendre que le chargement se finisse pour que j'appuie sur pause, parce que ça va me déconcentrer sinon. Plusieurs points à établir avec vous. Premièrement, excusez-moi pour ceux qui voulaient voir les mini-jeux, mais moi j'ai aucunement envie de les faire, donc je m'excuse. Deuxièmement, je pense qu'il n'y aura pas besoin d'y retourner, donc ça c'est cool. Troisièmement, à mon avis, c'est pas Riku. C'est le pantin de l'autre là, du troisième mec qui est arrivé là, qu'on a vu qui a parlé à Axel et Larcel ou je sais plus qui, là, Larsex, c'est Larsex. Bref. Et à mon avis, ouais, c'est son pantin, c'est pas Riku, c'est sûr. Je suis sûr que c'est ça. Je me trompe peut-être, peut-être que Riku est encore sous l'emprise d'Ansem, je ne sais pas. Je sais pas trop là, je suis un peu perdu, je vous avoue. Bon alors! Comment ça se passait? Bah déjà je vais te balancer un Akion dans la gueule parce qu'on l'a toujours pas vu cette attaque. Putain, c'est quoi tout ces Keyblade là? Pourquoi j'ai tout le temps la chaîne royale? Alors, claquons un petit Akion. C'est méga stylé. Putain. Merde. C'est méga stylé Akion. Bon par contre j'ai peur que ça use trop mes cartes de faire cette merde. Aïe. Oh. Duo magique niveau 2. Quoi? Comment il a pu snober mon attaque? Enfin l'arrêter? C'est pas possible. Hurl. Merde. Hurl. Ok. Alors tu commences par faire tac. Hop. Voilà. Alors tu vas faire tac, tac, tac pour faire un petit dingo frappe. Ça va te faire mal au cul. Non, dingo, t'abuses. Putain, il l'a raté quoi. Je savais même pas que les invocations pouvaient rater comme ça. Ça te fait un petit disco bolos. Hop. Aïe. Fire. Fire. Merde. Ok, bon c'est déjà un peu plus compliqué que contre l'Arcès. Putain, j'arrive pas à retenir son nom, c'est un truc doux. Vas-y, balance une carte, hop, que je te casse. Allez hop, ça c'est fait. Ok, bon j'en chie un peu plus, hein, je vous le dis. Oui, je crois que ça a utilisé mes sorts. Je sais pas, bref. Hop. Non, 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 recharge pas, recharge pas, recharge pas. J'ai pas autorisé à recharger. Yanago, Yanago, Yanago. Cette fois, tu me le cales. S'il te plaît. Goofy. Il tape-le. Mais non, mais il a encore été mon truc. Putain, t'es trop chiant. Dégage. Heal. Putain, il fait mal. Hein. Il fait très très mal. Hop. Allez, petite dernière recharge en se déplaçant. En profiter un maximum. Tu peux me lâcher un peu? Je vais juste faire ça. Hop là! Tu vas faire quoi contre ça? Ok, j'ai perdu 3 cartes, je crois, en tout. Donc ça va. On va dire qu'on s'en sort plutôt bien. Bon, peut-être que ça se trouve, si j'utilise des objets, je m'en sortirai un peu mieux. Et pour l'instant, ça va à peu près. Hein. On s'en sort plutôt bien, je trouve. Voilà, il a pas le temps d'attaquer une seule fois là. Je le plains limite là, putain. Ok, alors là, c'est plus particulier. Mais tu fais quoi? Bon bah c'est bon. J'allais dire ça va être un peu plus compliqué de recharger mais non. Ça s'est très bien passé. Raté. Mes cartes sont beaucoup trop puissantes. Tu peux rien faire. Fire. Fire. Heal. Ok.
Tu vas utiliser la carte Doogie Boogie par contre. Aïe. Raté. Ok, bon, on s'en est mieux sorti en tout cas. Peut-être parce que j'avais plus de Keyblade, mais c'est bizarre, je trouve que j'avais beaucoup de Keyblade en fait. Ça m'a semblé bizarre. Bon bref, on a réussi. Donc là, on va peut-être voir si c'était bien Riku ou pas, je ne sais pas. C'est une excellente question. Niveau plus. Oh! Ah putain, c'est vrai, j'ai éclair. J'ai éclair, j'ai foudre. Et j'ai rafale, ok. Va falloir qu'on aille dans les menus après. Alors, qu'est-ce que j'augmente? Allez hop, les CP, on se fait pas chier. Niveau 28. On avance bien, on avance bien. Bon, on n'a pas trop galéré, c'était un peu dur, mais sans plus. Oh, Riku, please wait. C'est pas Riku. Putain, ils vont mettre le suspense, les enfoirés. Ah, ils font chier, putain. Ah, ils font chier, les gens. Oh, on fera mieux de suivre Riku. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Oh, qu'est-ce qui est arrivé... Oh, qu'est-il arrivé à Riku pour qu'il parle comme ça? Ouais, on est d'accord. Bon, attendez. Avant d'aller voir, parce que ça se trouve, en fait, si, on va voir la suite. Alors, foudre de niveau 7, on va se l'équiper tout de suite. On va le mettre ici. Voilà. Et rafale, alors, repousse et blesse les ennemis à proximité. 30. Putain, j'ai pas assez. Attendez, on va faire ça. Et on va tège quelques trucs. J'aimerais... Tège... Oogie Boogie. Très clairement. On va le tège celui-là parce que c'est vraiment une merde. Parce qu'il recharge, mais vite fait quoi. En fait, on s'en fout un peu. On s'en fout même énormément. Bref, alors. Riku, where are you? Sora, are you okay? Don't worry about me. Riku, what happened? Sure was strange. Almost like Ansem was back, controlling Riku again. But we got rid of Ansem for good. Then I wonder what is wrong with Riku. Hold on! The kid! If he's with Riku, he might be a Deku. Sora? I know. You're thinking Riku isn't your friend. But that's just not true. You sure? Well, I know he said some awful things to you back there. But you gotta remember, we are in Castle Oblivion. Why, folks lose their memory here a little bit at a time. Riku's probably just forgotten that the two of you were such close friends, that's all. So he just forgot? My guess is that's so. But Sora, instead of being sad, we have to figure out a way to help Riku get his memory back. If we all work together, why, we're sure to get you through this. No need to mow. Jiminy's right. You shouldn't push your friends away. Yeah. Okay. Sora, do you remember our very first promise? Huh? Always smile. That was the promise we made to each other the first time we met. We promise to never forget to keep smiling. You're right. Bon. Bah, reste toujours sa réponse, hein. C'est génial. Bon, bah, du coup, on va s'arrêter là, les gens, hein. Je vous avais dit, on essaye de faire... Ne t'emballe pas trop, Sora, machin. Je suis content que le Sora en joué soit de retour. Bon, bah, du coup, ça allait assez vite, comme on n'a pas fait les mini-jeux. Mon épisode va être
bah, 25 minutes, comme j'aurais pas fait d'ellipse au final, puisqu'il n'y a pas eu de combat. En tout cas, prochain épisode, on fera Atlantica. Après, on s'attaquera au pays imaginaire, et c'est celui-là qui m'intéresse le plus, en fait, parce que pays imaginaire, c'est un de mes... Enfin, Peter Pan, c'est un de mes Disney préférés. Donc, ça m'intéresse énormément de le faire. D'ailleurs, j'étais déçu de pas le voir dans le 2. Mais bon, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même, même s'il n'y a que le combat contre le Riku imposteur. Voilà, c'est un imposteur. C'est sûr, j'en suis sûr, il y a un truc. Et du coup, le fait qu'on puisse jouer avec Riku, je sais pas quand ça sera. On verra. Parce que normalement, on peut jouer avec Riku. À moins que ça ait été... C'est que dans la version DS, ce qui m'étonnerait fortement. En vrai, j'espère que ça va plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!